Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit, dans le même esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier.